Salut à tous les amis, c'est Kardex et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel les amis, un tutoriel d'un cinéma comme vous pouvez le voir ici. Beaucoup me l'ont demandé en commentaire en tout cas, j'espère que ça va vous plaire, je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble. Donc ici on est sur de la devanture, donc sur l'avant du cinéma. Ici on peut voir un aperçu du côté et puis là-bas derrière c'est assez simple hein, comme structure, vous pouvez voir. C'est tout simplement tout blanc parce qu'on peut pas mettre de vitres dans la salle de cinéma, bien évidemment. Alors ici, on va pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble. Aujourd'hui, on va faire la première partie qui sera l'extérieur. Et puis, on fera un deuxième épisode où on fera l'intérieur du cinéma, d'accord? Donc ici, vous pouvez remarquer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc ici, on a l'accueil. Puis, on a des escaliers à droite et à gauche qui nous permettent tout simplement d'accéder à la salle. La salle n'est pas non plus super grande parce que j'avais pas non plus la place pour faire des grands gradins ici, hein. Mais bon, je pense qu'il y a vraiment bien assez pour avoir vraiment une assez belle salle de cinéma. Vraiment un bon complexe, une assez belle structure tout simplement de cinéma sur Minecraft, d'accord? Donc on va commencer tout de suite en faisant l'extérieur du cinéma. Vous allez prendre tout simplement pour le moment les vitres teintées en noir, les escaliers en quartz, les vitres teintées en blanc, les vitres teintées en gris, le béton blanc, les barrières en chêne sombre, les feuilles de bouleau ainsi que les escaliers en chêne sombre. Et d'ailleurs, vous pouvez rajouter également ici les dalles de chêne, d'accord? Donc les dalles de chêne sombre, d'accord? Une fois que vous avez pris tout ça, on va tout simplement prendre le béton blanc pour commencer, d'accord? On va prendre le béton blanc et on va se diriger ici. Moi, je vais me diriger ici sur la droite, d'accord? Vous allez tout simplement commencer en faisant ici 9 blocs au sol, d'accord? Donc, attendez, on va commencer au même endroit, comme ça au moins on sera symétrique, voilà. Donc on commence en faisant 9 blocs, d'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, d'accord? Tout simplement. Puis on vient ici, et là on va faire 10 blocs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et puis là on recommence en faisant 9. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. D'accord? Donc tout simplement on a 9, 10 et 9. D'accord? Tout simplement. Puis on va venir ici sur la gauche. Et là on va pouvoir ajouter 36 blocs. Donc ça c'est beaucoup. Donc 36 blocs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Alors là, normalement, voilà, je suis au même niveau que celui-là. C'est parfait, j'ai vraiment bien au total mes blocs, d'accord? Donc on va faire pareil de l'autre côté, hein, donc 36 blocs également par ici. Donc là tout simplement on va se diriger à la même hauteur que là-bas. Donc hop. Alors c'est ici, hop, voilà, tout simplement. Et puis là on va pouvoir refaire le même que l'autre côté ici, d'accord? Donc pour la façade ici c'est vraiment simple. Hein. Donc là on n'a même pas besoin de faire de détails, c'était tout simplement en un bloc, enfin en une ligne, d'accord? Donc vous rejoignez tout simplement les deux murs qu'on avait posés auparavant. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, on se retrouve sur le devant ici. Là on va commencer par la gauche. On va monter tout simplement à encore 7 blocs en hauteur, d'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, d'accord? Et on fait ça ici pour, donc on va faire pareil ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là on rejoint les deux bouts. Et là, on va faire pareil pour celui-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, pareil. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, on rejoint les deux murs. Et là, tout simplement, ce que vous allez pouvoir faire, c'est... on le fera après, d'accord? On le fera après, comme ça, au moins, je vais faire... je vais passer au reste ici. Donc là, tout simplement, ici, on va pouvoir monter à 10 blocs encore de hauteur. Donc, on met encore 10 blocs, d'accord? Donc, 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pareil pour ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. D'accord? On fait ça comme ça. Puis là, on va pouvoir rejoindre ces deux bouts, d'accord? Donc hop, comme ça. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir monter encore. Normalement, c'est d'un bloc. Ouais, c'est ça. Donc ici, on laisse 1. 2, et puis là on fait hop 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 hop, et on doit laisser également 1 et 2 ici, d'accord? Donc il doit avoir deux blocs là et deux blocs là, et on doit juste monter comme ça, d'accord? Tout simplement.
Alors maintenant, faut que je regarde ici comment j'avais fait. Ok. Donc là, tout simplement, on va pouvoir ici venir ici. Attendez, je vais quand même calculer ici. Donc là, il y a 3 blocs. Ok. Donc là, ici, on doit laisser 1, 2, 3. Et on commence ici, d'accord? Pardon. Donc là, on peut supprimer d'ailleurs ici. Voilà. Donc là, il doit y avoir 3 blocs d'espace. Et puis là, on peut refermer comme ça. Et ici, on peut tout simplement mettre une colonne ici. Et une colonne de l'autre côté. Voilà, hop. Si j'y arrive, voilà. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, normalement, on va pouvoir tout simplement prendre ici ces différents vitraux. Donc la vitre teintée en gris, en teintée en blanc et en noir. Alors tout simplement, moi, je vais les prendre en les prenant de cette manière-là. Je vais vous montrer, hein. Peut-être que vous allez pouvoir faire le même également. En fait, moi, je fais toujours ça comme ça. Hop, donc c'est celle-là, hein, ouais. En fait, il faut les prendre tous. Comme ça, à chaque fois, vous prenez un exemplaire comme ça. Vous en prenez à chaque fois 3. Et ensuite, comme ça, après, vous pouvez tout simplement les placer en faisant comme ça. Ça prend vraiment beaucoup moins de temps. Donc, hop, voilà. Voilà, hop. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué à faire. Et au moins, ça prend beaucoup moins de temps. Donc, hop, voilà. Donc là après s'il y en a des vitraux qui vous dérangent, que vous trouvez qui sont pas à leur place, vous pouvez les changer. Par exemple si j'ai envie de mettre un noir ici, voilà. Ou mettre, je sais pas moi, un blanc ici par exemple. Bah vous les changez tout simplement. Voilà comme ça. Ça ne choque pas, donc hop par exemple. Voilà. On va laisser comme ça je trouve ça assez sympa. Alors juste en mettre un peut-être ici, hop, voilà. Tout simplement. Donc là, hop, une fois qu'on a fait ça les amis, vous allez tout simplement pouvoir prendre les vitres teintées en noir. On va pouvoir ici en mettre. Alors attendez que je regarde. Ouais. Donc là, tout simplement, vous allez reprendre le béton blanc. Vous allez faire 1, 2, 3. Pareil pour ici. 1, 2, 3. Et là, vous prenez les vitres teintées en noir. Vous allez faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et ici au milieu, vous allez en mettre 1 et 2 comme ça. Pour faire les portes, tout simplement, d'entrée du cinéma. D'accord? Donc une fois qu'on a fait ça, on va déjà pouvoir faire ici les grandes vitres qui se situent ici, hein, d'accord, donc celle-ci. Donc pour ça, vous allez pouvoir prendre les vitres teintées en noir et les escaliers en quartz, d'accord. Donc attendez, moi je vais déjà reprendre les blocs ici, hop. Voilà. Donc là, vous prenez les vitres teintées en noir ainsi que les escaliers en quartz. Vous allez venir ici, vous allez laisser ici 1, 2, 3 et là vous allez faire 1, 2, 3, d'accord. Donc il doit y avoir 3 par là et 3 par là et ici 3 au milieu, d'accord. Vous pouvez remplir ici de béton blanc tout ça ici, hein, donc hop, ici, ici et par là. Voilà, comme ça. Ici on va mettre tout simplement 5 en hauteur, donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici on remet. Voilà, ici on peut mettre des escaliers en quartz. Comme ça, et là on met du béton blanc, tout simplement. D'accord? On fait pareil sur notre gauche. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, comme ça. Ici on recouvre de béton blanc. Pareil pour ici. Voilà. Là, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, hop. Voilà, là on met des escaliers en quartz à l'envers et là du béton blanc. Voilà. Maintenant on va prendre les feuilles de bouleau et les barrières en chêne sombre. On va pouvoir mettre un arbre ici, ici, et puis encore ici et là. Là après vous montez à la hauteur que vous voulez. Moi je me mets souvent en 2. Là j'ai mis combien? J'ai mis 3. Bah ouais, 3. Donc on va mettre 3. Hein. Donc ici pareil, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et 1, 2. Hop. Voilà, comme ça, tout simplement. Donc là, vous pouvez voir que ça avance assez rapidement. La façade est bientôt terminée. Donc déjà, ce qu'on va pouvoir faire, c'est... ce que vous allez pouvoir faire, c'est prendre le béton blanc, venir ici. Là, on va pouvoir déjà faire le mur qui va être jusque... Donc, qui va être prolongé jusque le fond du cinéma. Donc, hop, voilà. Hop, là, ici, on monte. On fait pareil pour celui-ci. Donc hop, on va aller là-bas.
Voilà, hop. Et une fois que c'est fait, je vous invite à mettre du béton blanc sur l'ensemble du mur, en fait, hein, donc ici et celui-ci. Donc vous mettez du béton blanc pour tout recouvrir et on va se retrouver tout de suite une fois que ça sera fait. Ok les amis, à tout de suite. Alors voilà les amis, vous pouvez remarquer, j'ai terminé de faire ce mur-ci et ce mur-ci également. Une fois que c'est fait, on va déjà pouvoir faire maintenant les vitres qui se situent ici et pareil de l'autre côté. Hein. Donc tout simplement, vous prenez les escaliers en quartz. Vous venez ici, vous allez laisser ici deux d'espace, donc vous faites 1 et 2 comme ça. Là, on laisse encore 1 et 2 et on refait 1, 2 comme ça, d'accord. On peut mettre des escaliers à l'envers à ces endroits-ci. Et là, on va monter de 4 en hauteur, donc 1, 2, 3, 4. Voilà, 1, 2, 3, 4. Et voilà, d'accord, donc c'est exactement le même. Vous prenez la vitre teintée en noir et vous en placez tout simplement sur les trous pour obtenir nos vitres. Et voilà, d'accord. On va faire pareil de l'autre côté, donc hop, on reprend les escaliers en quartz. 1, 2, hop, hop, 1, 2, hop, hop, voilà. Là, c'est la même hauteur que de l'autre côté, encore une fois, tout simplement. Là, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hop. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, vous pouvez remarquer que là, ici, j'ai tout simplement pris, hop, les feuilles tropicales ainsi que les feuilles de bouleau. Et là, tout simplement, on va alterner. Donc, vous prenez donc ces différentes feuilles. Vous allez venir ici, vous allez commencer en faisant à chaque fois deux d'espace. Hein. Ça, c'est toujours le même, deux d'espace. Et là, vous faites, au total, je pense qu'il y a 5 de hauteur ici. Et pour ici, pour les feuilles tropicales, il y a à chaque fois 4 de hauteur. Donc, à chaque fois, une fois sur deux. Donc, hop, voilà, vous pouvez remarquer, hein. Voilà, ici, comme ça, voilà, hop, on fait ça jusqu'à la fin du coup, voilà, et hop, voilà, comme ça normalement, c'est parfait, oui, c'est bien ça, donc là vous faites pareil de l'autre côté les amis, on va se retrouver tout de suite. Alors voilà les amis, vous pouvez remarquer, j'ai terminé ce côté-ci également, une fois que c'est fait, on va pouvoir prendre le béton blanc, et là vous pouvez remarquer qu'on va tout simplement rallier nos deux côtés ici, donc hop, on rallie nos deux côtés comme ça, et on va tout simplement mettre du béton blanc, donc hop, je vous invite à mettre du béton blanc dans ce trou ici, on va se retrouver tout de suite, ok. Alors voilà les amis, une fois que vous avez terminé de combler tout le mur par du béton blanc, on va tout simplement maintenant prendre les barrières en chaîne sombre encore une fois, et vous pouvez remarquer qu'ici, j'ai encore fait les petits arbres, hein. Donc là vous pouvez vraiment les mettre n'importe comment, moi je vais les mettre de cette manière-ci, donc par exemple ici je vais laisser 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, hop, 1, 2, 3, hop, là-bas je vais faire pareil, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1, et je vais laisser ça comme ça, et là tout simplement on peut varier encore une fois, hein. Donc par exemple faire ça, par contre c'est peut-être mieux de faire genre comme ça, et là comme ça, voilà. Donc là on fait pareil. Hop. Et voilà. Donc là on peut laisser ça comme ça. Après si vous voulez changer, ça c'est vraiment à vous de voir. Moi j'ai fait ça comme ça. Après vous pouvez toujours mettre des variantes. C'est comme vous voulez. Donc une fois qu'on a fait ça mes amis, on peut se retrouver par l'avant du bâtiment. Là maintenant on va pouvoir prendre les escaliers en chaîne sombre avec les dalles en chaîne sombre, d'accord ? Donc on va tout simplement déjà venir ici et on va venir commencer par la structure qui est ici. Donc d'abord on va faire ici 1, 2, 1, 2, 1, 2, d'accord. On fait pareil pour ici, hop, 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 comme ça, vous voyez. Pareil, on revient ici sur les côtés, d'accord, on revient sur les côtés. Et là pareil, 1, 2, 1, 2 et 1, 2, comme ça, d'accord. Donc une fois que vous avez fait ça, là tout simplement on va pouvoir rejoindre l'autre côté, donc tout simplement on vient comme ça. Et on va tout simplement rejoindre l'autre côté, d'accord. Donc là vous pouvez remarquer que c'est pas encore fait, pas grave, on va le faire juste après. Donc là on fait pareil par ici, on rejoint l'autre côté. Voilà, alors là ce qu'on va pouvoir faire c'est prendre le béton blanc. Vous venez ici en dessous de celui-là, vous venez ici donc, et vous écartez d'un bloc. Vous faites 1, 2, 1, 2, 1, 2, comme ça, d'accord. Ça doit être comme ça.
Là, on fait pareil pour ici. On vient en dessous de celui-là. Donc, on vient ici, en dessous de celui-là. On écarte d'un bloc et on fait 1, 2, 1, 2, 1, 2. D'accord? Pour obtenir ceci. Et là, maintenant, tout simplement, on va pouvoir augmenter au milieu, mais seulement d'un bloc pour le milieu. Donc, hop. Voilà, ça nous donne cela. Là, tout simplement, on peut prendre la dalle de chaîne sombre. On peut en ajouter par ici. Faire ça comme ça. Et là, pareil pour ici. Et là, hop, comme ça. Tout en n'oubliant pas toujours de faire les côtés pour ce qui est du milieu, comme ça. Donc là, ça nous paraît le même que devant, d'accord? Donc là, maintenant, ce que vous allez pouvoir faire, les amis, c'est tout simplement prendre du béton blanc pour mettre ici. On va faire pareil de l'autre côté. Donc on met le béton blanc ici qui va rejoindre l'autre mur. Voilà. Et là, pareil pour ici. Donc on fait rejoindre l'autre mur. Voilà. Et là, tout simplement, les amis, je vous invite à tout simplement combler en fait le toit. D'accord? Donc vous comblez tout simplement en mettant donc ces dalles de chaîne sombre jusque de l'autre côté là-bas. Et ici, tout simplement, en venant jusque de l'autre côté également là-bas. C'est tout simplement comblé en fait. Hein. Et pareil pour ici, d'accord? Et on va se retrouver tout de suite une fois que ça sera fait. A tout de suite, les amis. Alors voilà, les amis, vous pouvez remarquer, j'ai terminé donc de combler vraiment tout le toit. Hein. Vous pouvez remarquer, c'est fait. Donc de ce mur-ci jusqu'au mur là-bas. Maintenant, vous prenez le béton blanc, d'accord? Vous allez venir ici au milieu. D'accord? Donc ici, attendez hein, que je réfléchisse bien quand même pour pas faire de conneries. Donc là, augmenter 3 blocs au-dessus de ça. Ok, donc ici, on doit juste augmenter. En fait, vous venez ici où il y a les 3, la vitre. Hein. Vous faites ici 1, 2, 3, 1, 2, 3. D'accord? Tout simplement. Ici, ce qu'on va pouvoir faire, je vais quand même regarder pour ne pas me tromper. Voilà, ce qu'on va pouvoir faire, c'est faire 1 et 2 comme ça. D'accord? Donc on fait un petit trou comme ça. On fait pareil de l'autre côté. Donc on vient à l'emplacement de la vitre. On fait 1, 2, 3. 1, 2, 3, et là, 1 et 2, d'accord? On va mettre de la vitre teintée en noir dans ces petits trous. Donc, hop, voilà, comme ça. Et là, pareil, hop, hop, d'accord? Alors, une fois qu'on a fait ça, on va prendre le béton blanc. Vous allez prendre le béton blanc, vous allez venir ici. Alors là, je pense que j'avais vraiment comblé hein, à cet emplacement-ci. C'est bien ça. Donc, vous venez ici, hop, et là, vous allez partir d'ici, comme ça, d'accord? Donc, à ce niveau-ci, hein, d'accord? Vous faites un... Vous mettez un bloc là et vous mettez un bloc ici. D'accord? Et là, tout simplement, on va simplement combler jusque de l'autre côté avec le béton blanc. Donc, vous allez voir. Donc, on va jusque de l'autre côté. Voilà, on fait pareil avec celui là-bas. Voilà. Là, tout simplement, vous allez combler tout le mur, donc jusque, en fait, il y a 3 blocs de hauteur. Hein. Donc, vous comblez jusque là-bas, et vous allez faire pareil pour celui en face, et on va se retrouver tout de suite, les amis. Alors, voilà, vous pourrez remarquer, j'ai terminé de faire le mur ici, ainsi que le mur là. Maintenant, on va pouvoir se retrouver ici devant. Là, tout simplement, on va prendre les escaliers en chaîne sombre. Alors, je vais regarder comment j'avais fait, mais normalement, c'est vraiment pas compliqué. Vous venez d'abord ici, vous allez faire ici, 1, 2, 3, d'accord? Donc, normalement, c'est bien ça, voilà. Et là, pareil, ici, vous allez faire, hop, sur le mur, 1, 2, 3, d'accord? Faites pareil pour ici, 1, 2, 3, 1, 2, 3, d'accord? Rien de plus compliqué. Ici, pareil, donc sur celui-ci, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. D'accord? Une fois que c'est fait, vous venez ici, en bas. Vous allez mettre au milieu de celui-ci un escalier à l'envers. Et là, également. Et pareil pour ici, un escalier à l'envers là et là. D'accord? Ça rajoute toujours un peu plus de détails. Et donc, ça nous donne ça. Alors, une fois que c'est fait, vous pouvez maintenant... Alors, je regardais comment j'avais fait, mais là, c'est vraiment pas compliqué. Donc voilà, j'avais dépassé d'un bloc. Et puis là, c'était des escaliers comme ça. Donc là, ici, on vient ici, on dépasse d'un bloc comme ça. D'accord? On fait pareil de l'autre côté, on dépasse d'un bloc comme ça. Puis là, les escaliers, on va les mettre à l'envers, d'accord? Donc on vient ici, on les met à l'envers sur le mur, d'accord? Comme ça, d'accord? Donc on fait ça jusque de l'autre côté, à l'envers. Voilà, on va s'arrêter là pour le moment. Je vais faire l'autre côté pareil. Donc hop, on vient ici et là, on les met à l'envers.
Voilà. Une fois que c'est fait, on va prendre maintenant, normalement, si je me trompe pas, c'est bien comme ça, voilà. On vient ici, on va prendre celui-ci, on va tout simplement le faire tourner. Donc là, par contre, c'est à l'endroit, d'accord. On le fait tourner jusque de l'autre côté. Donc, de cette manière, hop, voilà, d'accord. Ouais, donc c'est bien ça, je me suis pas trompé, donc pareil de l'autre côté. Hein. Donc on vient ici et on le fait tourner à l'endroit. Alors, hop, voilà. Donc, on s'arrête là pour le moment. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est prendre... Attendez, hein, que je réfléchisse. Donc, voilà, ouais. Ici, on doit prendre le béton blanc. Vous allez prendre le béton blanc, et là, vous allez tout simplement revenir ici. Et on va tout simplement revenir jusque de l'autre côté, d'accord? Donc, jusque là-bas. Donc, hop, voilà. On fait ça, on revient jusque de l'autre côté. Voilà, voilà, hop, hop, hop. Et là, tout simplement, on peut venir ici et faire hop, comme ça, d'accord? Donc, on a fait ce côté-là, on va faire pareil pour ce côté-là. Donc, hop. On vient jusque de l'autre côté, encore une fois. Et là, on a vraiment quasi terminé le tuto, les amis. Donc, hop, on fait ça. Voilà, voilà, hop. Et hop, là, on fait ça, tout simplement. D'accord? Donc, on a ça, maintenant. On va pouvoir prendre les, ici, les dalles de chaîne sombre. Alors, normalement, je les avais placées d'une certaine manière. Donc, hop, comme ça. Et là, j'en avais mis deux, comme ça, d'accord? Donc là, c'est vraiment pas compliqué. J'ai juste à en mettre deux comme ça. Ok. Donc là, on vient ici. Et là, tout simplement, on va faire comme ça, d'accord? Donc on vient comme ça. Et on fait tout simplement à chaque fois comme ça avec les dalles. Donc au même niveau que l'escalier. Hein. Et donc on vient jusque de l'autre côté comme ça. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Hein. Donc hop, hop, hop. Et là, tout simplement, ce qu'on peut faire, c'est hop, terminer par hop, hop. D'accord? Comme ça. Puis ici, on termine en faisant 1, 2, 3, 4, d'accord? Comme ça. Donc là, on va déjà faire pour le coup ici, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. On va faire pareil par ici. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et là, pareil, 1, 2, puisqu'on avait déjà celui-ci. Et ici, 1, 2, 3 et 4, comme ça. D'accord? Là, on peut faire le même, donc on vient ici en dessous, on fait... un escalier à l'envers ici et ici et là et ici tout simplement, d'accord. Donc là on refait pareil, les dalles on les place hein, donc ici hop voilà, on les place comme ça jusque de l'autre côté. Hop hop hop, voilà. Et là tout simplement vous allez faire pareil pour ici en fait, d'accord. Donc ici hop on prend les dalles. Et on fait tout simplement le même, d'accord. Donc hop, on vient, et en fait on fait ça comme ça. Alors je pense que j'avais fait ça comme ça, j'ai quand même regardé si c'était pas avec des gros blocs que j'avais fait ça. Peut-être que j'avais fait ça, ouais, donc j'avais fait ça avec des planches pour le milieu, d'accord. Donc on va faire ça avec des planches pour le milieu, d'accord. Donc on vient ici, hop. Et là, au lieu de mettre des dalles, après c'est comme vous voulez, hein, mais au lieu de mettre des dalles, je vais mettre tout simplement des planches, d'accord. Donc ici, comme ça, d'accord. Et vous allez faire ça jusque là-bas. Et pareil, donc pour le côté ici, hein, donc là, on prend exactement le même et on fait ça jusque là-bas, d'accord. On va se retrouver tout de suite. Alors voilà les amis, vous pouvez remarquer, j'ai terminé de combler donc ici et également ici avec les planches en chaîne sombre. Et là les amis, on va avoir, normalement, on a terminé pour cette première partie. Alors tout simplement, peut-être pour rajouter le béton blanc ici, donc juste là, hop, vous mettez du béton blanc. Et vous en mettez également ici. Voilà, et également donc ici, hop, hop, hop. Voilà, et donc là on a terminé pour la première partie qui était l'extérieur. Alors tout simplement ce qui manquera à faire pour l'extérieur pour la prochaine partie, ce sera le mot cinéma ici. Donc ça on la fera dans la deuxième partie, on fera le mot cinéma, d'accord. Et on fera également du coup l'intérieur ici. Donc à mon avis il faudra prendre une potion de vision nocturne parce qu'on va pas très, on va pas bien voir clair à l'intérieur de notre cinéma hein, quand on va devoir le faire. Donc nous ce qu'il restera à faire c'est donc le mot et puis tout simplement ici l'intérieur.
du cinéma, d'accord? Donc là, vous pouvez remarquer que c'est vraiment terminé pour ce qui est de l'extérieur, hein, les amis. Donc là, j'espère que la première partie vous a plu. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit like, comme d'habitude, et à vous abonner aussi pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. En tout cas, les amis, c'était Cardex. Moi, je vous dis à la prochaine pour de prochains tutos et de prochaines vidéos. C'était Cardex. Salut à tous!